Et y'a tout le monde, c'est Delta Draco. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, petite synthèse d'artefacts, on va améliorer notre cookie Shinobu qui nous permet de faire des réactions de Hyper Bloom. Et alors, elle a énormément de maîtrise, ma cookie. Seul problème, c'est qu'elle est en total broken set. Et moi, j'aimerais totalement. Alors, pas celui-là, mais j'aimerais lui mettre ça, Fleur du Paradis Perdu. Étant donné que je l'utilise quand Hyper Bloom. Ce sera mieux. Alors il lui faut de la maîtrise et du PV. Taux crit, dégâts crit, ce serait cool aussi. Donc là on va aller tout en bas bien évidemment. Les nouveaux sets ont été ajoutés. Donc on part. Souvenir de la forêt est intéressant. Rêve doré est intéressant. Celui-là c'est juste pour... comment il s'appelle? Nomade. Pas oufissime. Celui-là est très intéressant. Celui-là... ouais c'est un petit up à Tarta mais c'est... de la perte de PV. Celui-là, il sera fait chez moi pour monter ma Nilou au bout d'un moment. Celui-là, il est incroyable. Et celui-là, il est incroyable. Donc moi, aujourd'hui, ça va être de la rêverie. Enfin, de la fleur du paradis perdu. Voilà. Donc, c'est parti. On cherche de la maîtrise élémentaire en main stat. Avec de très bonnes sous-stats. Ouais, pas ouf. Pas ouf. Plutôt correct. Nul. Pas ouf, pas ouf, pas top. Maîtrise élémentaire dégueulasse, def évidemment des bonnes stats, maîtrise élémentaire plus que correct. Ok, bon, on en récupère déjà deux. Bien évidemment, encore faut-il que les procs soient incroyables. Ça évidemment, vous connaissez, c'est très rare que ça arrive. Alors, ok, pas terrible. Alors, les diadèmes, il nous faut un maîtrise. Oh, le def, putain. La fleur, ok, ouais, pas terrible. Ah, il y a de la maîtrise, hein, avec de la recharge. Ah, mais il me faut du saut crit. Dégâts crit, maîtrise, bref. Non, je vais être exigeant, hein. Je suis désolé, je vais être intransigeant là-dessus. Non. Non, de toute façon, je cherche pas spécialement de set pour les autres sur ça. Donc, alors. Bonus dégâts pyro. Ah, ça pourrait être bien sur une Utao ça. Mais bon, j'en ai déjà pas mal. Et ma Utao est déjà très bien stuff. Oh, le dégâts crit, to crit, attaque. On sait jamais. Je vais la garder de côté, mais on sait jamais. Oh, waouh. Waouh. Oh, la recharge, pas ouf. Ok. C'est pas terrible, on va passer au quatrième set. Ah, j'ai farmé énormément d'artefacts hein, sur la dernière mage. Alors... ouais, bonus dégagé haut si on veut pas trop. Et ben voilà, Tocrit recharge maîtrise PV. Ah bah c'est tout ce qu'on veut. Je viens de cliquer sur la même. Ok. Ah, pas terrible ça. Hein. Sachant que ma cookie a déjà des artefacts en maîtrise, donc il y en a qui peuvent ne pas être changés dans le set. Donc, on peut être bien. Bonus de dégâts pyro. Tocrit, maîtrise, PV. Ouais, bof. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tocrit, recharge. Allez. Ok, on va prier pour l'autre. Alors, hop. Maîtrise élément. Oh, double DF, putain. Ah, quoique, attendez. Merde. Elle est où? Allez, on peut la tester. Mais j'y crois moyen. Bon, hop, hop. Alors, merde. On est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? J'aimerais bien des beaux dégâts d'Endro. Ah, ouh. Dégâts crit, def attaque. Bon, ça peut. Pas ouf, pas ouf. En vrai. Allez, 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 faites-moi rêver. Oh putain, ouais, le rêve. La rêve tombe souvent très vite à l'eau. Oh putain. Ah oui, non, ça va. Ouf, ouais. Ça va très bien même. Oula. J'en ai énormément à vous faire, putain. Alors, offrande mystique. Alors, bonus de dégâts d'Endro. Elle est pas terrible. PV, elle est pas ouf. Pyro. Ok. Recharge, maîtrise, attaque, je m'en fous.
attaque, maîtrise, dégâts crit. Ouais, allez. Allez, on va essayer de regarder. Non, c'est pas Tocrit que j'ai besoin. C'est pas terrible, hein. C'est pas tété non plus. Maîtrise élémentaire, recharge, ouais, mais elle a pas de bonnes stats en dessous. Bon, on va déjà faire un petit tour dans les artefacts que j'ai eu. Pour aller sur Cookie Shinobu. Artefact, alors déjà. Ici. Ici, elle est plus que correcte. Ici, c'est pas trop mal. Ici, c'est pas top, mais est-ce que j'en ai une en rêverie dorée? En fleur du paradis perdu. Ouah, celle-là, j'ai pas envie de la tester. Alors, le plus 4. Qui nous donne de l'attaque. Bon. On a des très bonnes choses. Très très bonnes. On va la monter. Bien évidemment. Ah oui, du PV. Bon, bah, de toute façon, elle en veut, donc pourquoi pas. Oui, alors par contre, faut arrêter de se foutre de mes gueules, s'il vous plaît. Ok, du Tocrit. Ok, bon. Déjà, on va opérer le premier changement. Puisqu'elle a le même taux crit, elle gagne du dégât crit, bon elle perd en recharge mais on s'en fout. Elle gagne en PV et elle perd un peu en attaque. Ouais. Ok. Alors, merde. Pas du tout ce que je voulais faire. Ici, elle a une maîtrise qui est plutôt correcte. Alors est-ce que j'ai une maîtrise qui traîne moi? Non. J'ai pas de maîtrise ici qui traîne. Ici, normalement, j'ai du lock une. Ouais. J'ai rien lock du tout. Nous avons quoi? Recharge, dégâts crit, attaque, maîtrise. Ouais. PV, attaque, recharge, dégâts crit. Eh mais ben en vrai. PV, recharge, maîtrise. Celle-là, elle était parfaite. Ok, déjà maîtrise, c'est pas mal. Taux crit. De la recharge. Pour l'aspect. De la recharge, vous n'abusez pas. Et du PV. Elle est correcte, elle est correcte. PV, elle en a un petit peu plus. Elle perd en dégâts crit, par contre. Taux crit, elle perd un peu aussi. En maîtrise, elle perd 2 points, mais elle regagne en recharge. Hop. Alors, déjà, elle a 2 points. Elle a combien de maîtrise? 900. Elle a 36 de taux crit, 90,4 de dégâts crit. Ok. Et en artefact, en fleur. Alors, qu'est-ce qu'elle a de base? Une grosse PV. Pas mal de maîtrise, de la recharge et du dégât crit. Alors, moi j'ai lock celle-là. Ça les ferait perdre en maîtrise. Ça les ferait perdre vachement en maîtrise. J'en ai pas une avec beaucoup de maîtrise qui traîne? Oh si! Oh si, plutôt jolie celle-là même. Je regarde un peu ce que j'ai. Oh! Ah, 2,7. Oh le low roll de merde. Mais elle gagne beaucoup de PV. Par contre, elle n'a pas la maîtrise. On va mettre celle-là. Ok. Il lui manque une pièce. Donc, ce sera soit un diadème. Mais je préférais ne pas changer le diadème. Il est plutôt correct. Donc, ce serait une coupe en maîtrise élémentaire qu'il me faudrait. Bon, bah. On est reparti un petit coup. Alors. Là, je vais rester focus sur mon objectif d'avoir une coupe. Maîtrise élémentaire. Putain, qu'est-ce que j'ai branlé. Bon, on va regarder ce qu'il y a, mais j'ai fait de la merde. Ah, oh, je viens de perdre beaucoup d'artefacts, là. Oh, la boulette. Je me suis pas mis sur le bon set, je croyais que j'étais... Oh, merde. Bon, j'ai pas été vigilant, c'est ma faute. Oh, je viens de perdre 33 artefacts, là. J'en ai récupéré que 11. Oh, je viens de perdre 22 artefacts. Dommage, dommage. Bon. Ouais, super. Une seule. Oh. Ça peut être pas mal. Bon, on va quand même regarder, hein, cas où on est des trucs de fou. On sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Eh non. Et non. Hop, voilà. C'est reparti. Ok, j'en ai beaucoup. Maîtrise élémentaire. Juste avec du Tocrit. Et du PV flat. Allez, on va tester. Parce que c'est très compliqué d'en avoir. Pas ouf. Ouais, je vais être très exigeant, les gars.
Hop, bon, on va continuer un peu. Je vais faire ça, une dernière, et puis après je vais aller voir pour monter l'artefact. Ok, bon. Oh, pas mal celle-là. Tout crit attaque, ça peut se faire. De temps en temps, faut croire en ses rêves. Ok, bon. Allons sur Cookie Shinobu. Qui a 910 de maîtrise. Fleur du paradis perdu. Alors. Celle-là, j'y crois moyen. Je commence à y croire un peu plus. Ok, plutôt correct. Ok, du PV, c'est ce que je voulais. Du taux crit. Exactement. Et re du PV. Ok, elle est plutôt correcte. Bon, ma cookie, elle a combien d'HP? 22 000 pour 910 de maîtrise. Elle a son full set. Eh ben, parfait. Parfait, parfait. Ah bah, je suis content. Ça n'a pas été trop dur. Sachant que j'ai maintenant cette épée-là, donc si je veux la jouer et que j'ai pas casse-voix dans l'équipe... Ouais, ça peut se faire, parce qu'elle aura plus de maîtrise. Non, bah c'est... Cookie Shinobu, parfait. Parfait, parfait. En sachant qu'il lui faut du PV, donc que le soin ici se base sur combien du PV? Ouais. 6% des PV max, plus 739 PV, ouais, c'est pas mal. Ouais. Non, je suis content. Bon, bah... Et bah pour une fois qu'on arrive à stuff un perso, bon après là c'était pas très compliqué. Je pense qu'elle peut être améliorée, mais très clairement j'ai pas spécialement envie. Sachant que crit et dégâts crit elle a pas mal, elle a du 1 pour 2. C'est pas non plus insane, mais c'est surtout la maîtrise qui prime. Elle est 90. Donc là on va faire du maréchaussée. Puisque j'ai besoin de maréchaussée. J'ai besoin de quelques maréchaussées en dégâts crit, en taux crit sur les diadèmes. Donc on va finir là-dessus. Hop, c'est la meilleure session que j'ai faite. Ah super, on a un casque. Bon après je regarde un peu. J'ai pas forcément besoin de taux crit. Attaque, dégâts crit, maîtrise, ça c'est joli. Dégâts crit, attaque, PV, c'est joli. Bon là on va être un peu exigeant, puisque vu que maintenant je peux le crafter, je vais être plus exigeant. Oh merde, ta mère. Pas ta mère. J'ai une Noël qui demande ce set là. Et très honnêtement, c'est très joli. Ah, parce que Noël, j'ai toujours prévu de vous faire une petite vidéo avec le set maréchaussée, mais pour ça, il fallait que je puisse le crafter. Et j'étais pas en condition de farm actuellement. Wouah, elle fait mal celle-là. Alors. Ah, j'ai besoin. Non, les bonus de soins, personne n'en veut, plus personne ne joue ça. PV, dégâts crit, taux crit. Ouais. Def, dégâts crit, PV recharge, oui. Pourquoi pas. C'est un quoi? Ah, maîtrise, lol, c'est rigolo ça. Oui, ça peut être joli ça. Bah, c'est joli même pour Noël. Bon, j'en ai lock 3 quand même, je vais pas lock tous les runes def. Hein. Mais je vais en monter, ça c'est sûr. Alors, c'est les avant-dernières. Putain, ils veulent pas me donner de casque, hein, les enfoirés. Bonus de dégâts démo, dégâts crit, attaque, maîtrise. Parfait. Et les gens me disent, oui, c'est super dur à avoir, les bonnes coupes avec les bonnes stats. J'ai 3 stats qu'on recherche. Il manque juste du taux crit, mais c'est pas grave. Après, très honnêtement, ça se trouve sur les autres artefacts. Hein. Ouh, joli ça. Recharge d'énergie, ouais. Def, taux crit. Bon, allez, je veux bien. Allez, c'est la dernière. Alors, hop, mais non. Il m'en restait un. C'est quoi ça? Pas ouf, des casques. Oh. Oh. Ok, bon. On est à 14 minutes, mais je veux quand même tester de monter certaines runes de maréchaussée. Alors... Bon, les fleurs, je sais qu'elles vont pas avoir des mauvais procs. Cependant, j'ai déjà ça. Ah, d'accord.
J'ai plus rien. Oh. Oh. Ça la met plus 20 ou pas? Non. Bon. Ah. En vrai, si, hein. Sur Noël, ça peut le faire. Bon, bah, j'ai plus rien pour monter de toute façon, donc je pourrais pas tester dans cette vidéo les artefacts. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et nous, on se retrouve prochainement pour d'autres contenus. Sur ce. Attendez. Non. Mais c'est à tous les Battle Pass? Parce que sinon, c'est un peu abusé, quoi. Wow. Ah ouais, ça se fait 3 fois. On peut récupérer 60 primo en plus, y compris des potions. Attendez. Question. Hop. Voilà. Ils nous ont pas sucré des primo à la fin quand même. Sinon c'est débile, hein. Parce que... Non, 680. Ah, c'est 740 primo maintenant. Et on a toujours... Ouais, la boule ici. Toujours les boules d'invocation là. 2, 3, 4. Non, c'est pas fait sucrer ça, non. 4, plus ça, 5, ouais. Non, donc on est vraiment gagnant là-dessus. C'est intéressant. Ah, du coup, attendez, j'ai pas fini la vidéo. Hein. Putain, non mais vraiment, meilleur match du jeu, quoi. Alors. Oh, ouais, ça commence à faire beaucoup de PV, quand même. Ouais. Ça fait beaucoup de PV, donc tant pis. Celle-là, elle peut être cool. Je vais lui mettre la plus 20 pour commencer. Vas-y! Vas-y, celle-là, elle peut pas être nulle. Il y a eu un proc un peu partout. Non, genre c'est le max que je peux mettre. Oh, j'ai plus de... Oh, j'ai plus de consommable. Bon, bah, c'est déjà la fin du rêve. Celle-là est déjà mieux. Déjà mieux que le reste que j'avais eu. Après, j'en ai encore une au cas où. Non, bah, c'est pas mal. Sur ce, moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et nous, on se retrouve prochainement pour la suite. Sur ce, ciao.